Eh bien bonjour les amis et bienvenue sur Père la Galère Gaming. On se retrouve pour une petite partie vite fait de Slay the Spire. Je viens de la lancer parce que vous le valez bien. C'est juste parce que vous le valez bien. Allez, on se met en plein écran et on va attaquer. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, que tout va bien pour vous. Nous sommes sur le défectueux, on avait gagné une run. Et du coup là, bah, on tente la deuxième run, c'est-à-dire la ville. On va essayer de grimper tout en haut. Alors, qu'est-ce qu'on a? Arc-en-ciel, canalisé, deux orbes. Qu'est-ce qu'on a? Parce que là, il y en a deux qui se buffent, un qui attaque. Donc on va faire une défense de 5. Comme ça, c'est fait. Comme ceci. Et on va faire ça. Voilà. Et là, on va faire une frappe. Et comme vous entendez, il y a le chat qui fait des bêtises. Voilà, excusez-moi, j'ai réglé le problème du chat parce que sinon, le pauvre. Alors, à la fin du combat, récupérer 7 de PV, pas maintenant, on va faire fin du tour. Donc, il rajoute un petit peu de la force, lui aussi, certainement. Et là, on va faire... Canaliser un orbe, non. Blizzard, infliger 2 de dégâts. Orbe glaciaire. Deux de dégâts à tous les ennemis. Il faudrait qu'on se défende parce que là, il y en a un qui va nous faire 13, l'autre 2 x 5, 10. Alors, on va faire... ça. On va faire ça. On va faire de la défense. On va faire ça. Et on va utiliser électrisation. Et malheureusement, on n'a plus de cartes. Et là, on va prendre cher. Mais vraiment. On va prendre notre as sévère. Aïe. Toujours 2 x 5, l'autre il nous fait 12. Impatience. Si vous n'avez pas de carte attaque dans votre main, piochez deux cartes, mais on en a. Activation double. Gagner 7 d'armure, ça c'est bien. On va utiliser ça. Ok, et puis ben, on va faire malheureusement... Oh là 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 là. Ouais, mais c'est pas la joie. Fin du tour. Ouais, ça va pas être la joie là. Aïe. Alors, qu'est-ce qu'on a? Une fois 5, donc on va utiliser ça. On va utiliser hologramme. Ça. Et ça, l'autre se buff. Donc normalement, on est bien. Et puis on utilise encore ça, mais c'est pas la peine. Hop. Alors, bruit blanc, ajoutez un pouvoir aléatoire à votre main, il coûte 0 ce tour. Ok, on va faire ça déjà. Bim. On va canaliser ça. 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 Ceci, et puis ma foi,
Lui ne va nous faire 3 x 5, 15. Waouh, mais vraiment, vraiment, ils sont vénères. C'est le premier tour, ils sont super vénères. Incroyable. Ok. Donc on l'a affaibli. Malheureusement, on n'en a pas assez. Qu'est-ce qu'on a? Il a 13. Ouais. Eh bien, on a quasi plus que de la défense. On va se mettre de la défense, tant pis. On va utiliser ça. Et on va utiliser ça, ma foi. Et mettre fin à notre tour. Heureusement, là, on a tout bloqué. Alors, griffe, oui. Voilà, on va canaliser un orbe, ça c'est bien. Et puis, une frappe plus et ça devrait être fait. Mais ça a été vraiment chaud, cette première partie là. Ça a été vraiment chaud. Du coup, oui, le point d'interrogation, bien sûr. Alors que vous continuez votre ascension, une épaisse fumée noire commence à émaner du sol, des murs autour de vous, se rejoignant en trois formes masquées qui commencent à vous parler. Encore un pantin. En effet, elle choisit toujours le meilleur jouet. Alors, on reçoit pas de 50% de nos PV. Non, rien du tout. On s'en va. Partir, un jour sans retour, égarer notre amour, ne rien regretter. 7 de dégâts, récupérer 2 de PV. Non. Non, merci. Ça, c'est pas terrible, hein, tout ce qu'on... Et là, nous, on va passer de ce côté-là, en fait. Ouais, on va faire ça. Oh, alors. Lui, c'est toujours un peu... Alors, on va faire ça, déjà. Ça, c'est pas mal. On aime bien. Pour l'instant, il se défend, donc il nous faudrait, en fait, des frappes, et on n'en a pas. On va faire une frappe plus. Et ma foi... on va prendre ça. Et on continue. Oh, 45 de bouclier, mais qu'est-ce que je fais avec... comment peut-on faire ça? Alors... On va faire ça. Ça. Et on va se défendre, bien sûr, parce que là... Et on va mettre fin au tour. Et là, on a un orbe qui fait 18. ouais, on va gagner 5 d'armure. On va gagner 3 d'armure. On va essayer de mettre le maximum d'armure que l'on puisse. Et là on en a, hop, ça va nous faire perdre 2, mais bon, c'est déjà pas mal, c'est mieux que rien. Et on va remettre une frappe. Ah, les orbes, ils commencent à faire un peu mal, là. Celui de 24, là-bas, le jour où on va le défaire, ça va leur faire drôle. Alors, on va faire griffe, on va faire de la défense. Ok. De la défense encore. De la griffe. Ah, on commence à lui faire à peine mal. Et au rage, au désespoir, au vieillesse ennemi. Est-ce que ça fonctionne pas du tout? Allez, 30. Ouais. Par contre, là, ouais. Il nous fait mal, hein, quand même. Hein. Il a 15 d'armure.
Et on va faire tout ça en fait, hein. Et on va passer notre tour. Alors, on va se défendre. On a deux def. Waouh. Hop. Armure. Armure. On y a tout mis là. On a mis tout ce qu'on avait. Et c'est bon. Alors. Ça, on peut pas le prendre. Et. Ah, ça, c'est bien ça. Un petit peu d'armure. Un petit peu plus d'armure, ce sera bien. On va passer sur le côté là. Alors, vos PV max augmentent de 2, mais on perd 19 de PV. Oh là là, c'est pas vrai. On peut pas. On peut pas passer. On peut pas passer là et on a déjà pas beaucoup de. Bon bah tant pis. Hein. Ensuite, on va pouvoir se reposer un peu, remarquez. Mais c'est pas l'idéal. Hein. Un petit peu de repos nous fera le plus grand bien. Hop, on passe comme ça. Alors. On n'a pas énorme. Hein. Infliger 10 de dégâts à tous les ennemis. Canaliser un orbe obscur. Ça, ça peut être pas mal. Hein. Frappe rapide. Inflige 6 de dégâts pour 0. Ça, c'est bien aussi. Gagner 6 d'armure. Et diminuer de 1 pour le combat. Vous n'avez pas d'armure, gagnez 11 d'armure. Alors, et là, qu'est-ce qu'on a? Montre à gousser quand vous jouez 3 cartes ou moins pendant votre tour, piochez 3 cartes supplémentaires au début du tour suivant. Lorsque vous vous reposez, vous pouvez ajouter une carte à votre deck. Ok. Les cartes à épuiser ont 50% de chance dans la défausse. Écoutez, on va essayer ça. Une comme ça. Une comme ça. Rajouter une carte dans votre deck. Non. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça ne coûte rien. On va la prendre. Et on va sortir. On verra. On va de toute façon regagner de l'argent. Donc du coup, on pourra faire ça plus tard. Là, on va peut-être améliorer une carte. Non, on va se reposer encore parce que... Ouais, comme ça on gagne notre vie parce que la montée risque d'être longue en fait. Là, on va passer... le coffre, qu'est-ce qu'on a? Ouais, après on repassera sur le côté. Ouais, on va monter. On va pas affronter l'ennemi d'élite. On va monter sur notre gauche. Et puis après on repartira à droite. Je pense que ce sera le mieux. Allez hop, on y va. En route vers l'aventure. On a un coffre, un 23 d'or. Ok. Parfait. Non, on va là, mon bon monsieur. Ah, du coup. On va pouvoir mettre ça, et ça va nous être bien utile. À la fin du combat... ouais. On va faire ça. On va faire ça, mais sur lui. On va faire ça. Mais sur lui aussi. Et bah écoutez, on va faire ça.
Et là, bah du coup, ça sert à rien. Hop, mais on met fin au tour. Alors, on va utiliser l'arc-en-ciel. La barrière de vapeur. Ouais. Et là, ben là, on peut tout mettre. Hein. Donc la griffe, mais on va le faire sur lui. Là. Et sur l'autre. Parce qu'en fait, l'élu, je me demande si s'il n'est pas magicien, s'il va pas les protéger. Et cet ennemi compte vous infliger un puissant effet négatif. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Donc écoutez, on va faire comme ça. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Une petite malédiction, bon. Donc là, il faut se protéger absolument. Donc on va faire comme ceci. On va gagner 7 d'armure. Mais on prend de l'ébêtement. Ça, c'est... C'est le problème avec la malédiction qu'il nous a posé. Allez hop. Qu'est-ce qu'on prend comme bêtement? On va finir par plus pouvoir jouer avec tout ça là, mince. Et là on va prendre la max. Aïe. Ok, alors lui va prendre une frappe rapide déjà. Les bêtements. Là, on va prendre ça. Inflige 10 de dégâts à tous les ennemis, canaliser un orbe obscur. Hop. Les orbes obscurs, c'est pas mal, hein. On peut pas les jouer. Allez, fin du tour. Oula, il nous a fait mal. Il nous a fait super mal. L'autre il fait 22, c'est une... Ouais, 22 là c'est énorme, ils nous en mettent plein la gueule en plus. Ils nous en mettent plein la gueule. Avec leur carte de merde. Mais on s'est plutôt pas trop mal débrouillé, mais là tu vois, il n'y a plus que des hébétements quoi avec tout ça, donc on va faire ça, et puis malheureusement on pourra pas se soigner, et voilà. Il a bien joué son truc, le mec. 18, ça fait mal, hein. Voilà. Mais bon, c'était pas gagné, hein, cette histoire, hein. C'était pas gagné du tout, on va se reposer. Ouais. On va continuer par ici. Après on prendra complètement sur la droite. Off, avec le magicien qui va le protéger comme d'habitude. Démarrage. Donc on va gagner ça, c'est bon. On a que de l'armure là. Hop. Encore. On va faire ça, et lui, ici, et allez, on va remettre ça, même si ça sert pas à grand chose. Alors, on va utiliser celui-ci. Ok, il faudrait qu'on puisse... gagner un peu d'armure là et je n'en ai plus, c'est bien dommage. Allez, on va prendre un petit peu, mais c'est pas grave, on a 16 d'armure, ça devrait le faire.
avec ses petits 10 d'armure, 10 de frappe, je veux dire, on est largement bon. Gagner 5 d'armure au prochain tour. Alors, on va voir. Activation double, non. On va faire ça. Déjà, on va faire ça. Aussi. On va prendre une défense. Alors, on va faire ça. On va faire... Ça nous fait prendre 3 de moins. Ouais, mais on va prendre ça. Comme ça, on va récupérer des PV à la fin du tour. Et après, on peut vraiment... On peut jouer... Non, pardon. Hop. Voilà. On va essayer de faire ça. Et on peut aussi faire ça. C'est pas grave. Voilà, ça me paraît parfait. Et on va faire une frappe pour Jean-Francis, là, juste là. Pardon. Parce que lui, il les soigne. Alors... Déjà... à tous les ennemis, on aime bien. Ouais, la frappe rapide là, la frappe tout court là. Et une autre frappe ici. Allez hop. Et c'est bon. Il va se re-soigner encore, mais ça doit être pas mal. Ouais, il se met 15 d'armure, il se soigne pas. Si, il se soigne et il se met 15 d'armure. Il est terrible. Déluge, infliger 4 de dégâts pour chaque orbe canalisé. Alors, hop, comme ça, déjà. 6 de dégâts à tous les ennemis. Frappe rapide, comme ça, ça sur lui aussi. On va lui mettre tout ce qu'on peut. Voilà. Donc là, on s'est déjà libéré le chemin. C'est déjà pas mal. Par contre, on va prendre 12 de dégâts. Mais c'est pas grave. Hop. Comme ça. On va se mettre de l'armure. Hop. Activation double. Voilà. Non, alors l'autre. Allez hop. Et voilà. C'était bien mené, ça, j'ai trouvé. Vous aussi ? Ça me rassure. Ouais. Gagner 4 d'armure plaquée. Qu'est-ce qu'on a là? Bref, on va faire comme ça. Déluge, ok. Hop. Alors, c'est le moment d'étudier. Non, ouais, on va passer par là. Ah, on peut pas. On peut pas, on va passer de ce côté-là, pardon. Oula, ceux-là, ils sont casse-pieds. Déjà, un, il est casse-pieds à 40. Et mais, donc, allez, on va faire... Fais voir un peu. Là. Là. Ok. Et puis, bah écoutez, on va faire ça. Et ça, mais bon, on en a pas besoin. Pour l'instant, c'est pas... Oh non, pas de l'hébétement. Alors... Alors déjà, on va faire ça. Comme ça. Parce que ça, on aime bien. On va faire...
Ah, il faudrait gagner de l'armure. Parce que là, ils vont mettre 19 là. On peut faire ça. On va gagner un peu d'armure. Un peu d'armure. Voilà. C'est tout ce qu'on a pu faire malheureusement. Ça va aller, ça va aller. On va y arriver. Punaise, j'ai pas un seul truc pour me protéger. Pouh. Attends. Tant pis, hein. Tant pis, tant pis. C'est vraiment dommage. Là, lui, il est en train de nous mettre la misère. Hein. Alors, ça, c'est bon. Hop. Hop. Comme ça. Voilà. C'est plutôt, plutôt pas mal d'être arrivé à faire ça. Je vous avoue que là, j'étais pas sûr du coup. Mais ça va nous protéger un tout petit peu. Pas grand chose, malheureusement. Mais... On est mal parti. Alors, gagner 5 d'armure, on va prendre ça. Ouais. On va faire une frappe rapide, une défense, ça, et fin du tour. Hein. On arrive à les éliminer au fur et à mesure, mais enfin, c'est pas gagné. Hein. C'était pas gagné. Ah. Voilà, et ça. Et ma foi, on va finir le tour ici. On va perdre qu'un petit point, ça ira bien. Et normalement, on va pas tarder à arriver à se le frapper, celui-ci. Alors. Voilà. Eh, c'est plutôt pas mal. On n'est pas très très loin. Ouais, pourquoi pas. On l'a déjà, mais c'est bien. Allez, on va arriver à... Oh là là, zut. Bon, ben on va démarrer comme ça, hein, n'est-ce pas. Et puis on va faire comme ça. On va faire comme ça. Allez. Ah zut, il y a une frappe qui est apparue. Non, c'est pas grave. Je l'avais pas vu. Je sais pas si on va la gagner cette partie, hein, finalement. Je pensais que c'était plutôt bien parti, mais... L'autre, il va nous mettre plein de cartes, là. Et j'ai que des armures, j'ai rien du tout, là. Écoutez, on va faire ça, hein. Pas le choix. Hein. Ouais, c'est pas terrible, ça. Et allez. Ok. Là. On va se défendre. Et Y. Et on va passer. Aïe. Si en plus il nous affaiblit, ça va être compliqué là. Alors. Allez, on va faire comme ça. Hop.
Ah, ils nous font mal, hein. Ils nous font mal, on va la perdre cette partie. Alors, bah écoutez, on va faire ça. On va se concentrer sur lui. Là. 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 On arrive rien à faire là. Aïe. Ils vont nous défoncer. Vous avez vu ce qui nous attend là? Voilà. Hop. Hop. Ouais. Là, là les amis, ça a le mérite d'éliminer toutes les cartes qu'on avait, qu'on voulait pas, mais là, ben on est mort. Hein. Et voilà. Oh, c'était... C'était plutôt pas mal. C'était plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on... Première carte que vous jouez chaque tour et jouez deux fois. On va peut-être prendre un... placer 9... Infliger 9 de dégâts. Placer la prochaine carte que vous jouez ce tour au sommet de la pioche. Ok. Hop. Et voilà. Mais écoutez les gars, on va s'arrêter là. Pour ce soir, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée ou une bonne soirée ou une bonne journée tout court. Je vous embrasse très très fort et vous dis à bientôt. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager les lives et les vidéos avec vos amis. Je vous en serai éternellement reconnaissant, et ça c'est pas rien. Et si vous venez d'arriver, bah écoutez, abonnez-vous, ça nous fera très très plaisir. A plus tard, je vous embrasse, merci, à ciao, bye.